Non veniamo vecchi per niente. Bravo, sì. Vado. È vero? È vero, è vero. Bravo. Excusez-moi, c'est la vie. Je suis content que je batte quelqu'un. Bravo, Marco. Christophe, je pense que le cheval a dû te plaire aujourd'hui. Bah oui, mais bon, il m'avait plu la dernière fois. La dernière fois, c'était un petit problème de pilotage, mais bon, ça arrive. Filmé. Hein? T'es garni toi avec les Love You, t'en as eu des bons. J'aime beaucoup Love You. À mon avis, c'est en ce moment c'est le meilleur étalon européen. Merci. Allez, tu finis avec du gold. Allez, merci. Je suis dans le dos avec des refresh, il va rester bloqué dans le dos à Jean-Mi, il va tenir sa corde. Et puis tu vois, je pensais que j'allais pouvoir ressortir après toi. J'ai mal demandé sur moi. Pas mal de trompes sélectives. Non mais moi, ça m'est juste marrant. Hein. Bah bon, ouais. Bon, on va pas pour... Non, on va faire la photo là. Ah oui, on a le droit à une belle photo. Là, c'est bon. Alors... Qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Il va mettre dans son vidéo gag. Bon, Fabrice Coula, le rouge est mis. Voilà, le rouge est mis, là, on est tranquille, là. Sébastien. Ouais. Johan Bird deuxième, est-ce que Brutus de Bailly te coûte la course en montant? Oh, il me coûte pas. Oui, ça m'a pas arrangé. Après, coûte la course, non, je suis pas obligé de le contraire. Allez, Hugo. Eh bien, Eric, il n'y a pas longtemps, t'étais comme eux. Ce sera mieux sur 2007? Ouais, je suis pas sûr. À chaque fois qu'il a couru 2007, j'ai toujours trouvé qu'il coinçait un peu pour finir. C'est pas parce qu'il est grand qu'il va aller sur 2007. Non. Oh, Nico, elle est belle. Elle est belle, hein? Ouais. Camille, elle est belle. C'est bon. Non, mais c'est pour qu'il y ait des... Non, ça fait pas peur, un micro. Ouais, mais c'est beaucoup de pression parce que c'est le cheval de ma vie. J'ai le droit à aucune erreur avec un tel cheval. Mais il me récompense bien. Là, aujourd'hui, c'est vraiment extraordinaire quand on passe le poteau en tête d'un semi-classique. Je souhaite ça à tous mes confrères. Mais pourtant, avant, il venait vraiment presque comme un gagnant. Oui, non, il allait bien. J'en ai toujours fait un très bon cheval. Et le truc, c'est qu'il est bête. Il a pas... C'est un adolescent et il est en pleine crise d'adolescence. Il a besoin de mûrir un petit peu. Qu'est-ce que tu veux? Grégory, deuxième, tout sourire.
Bah extra, hein, si tu veux demander de mieux. On l'a vu vraiment plein de joie, Christopher, au passage du poteau. Est-ce que c'est un espoir dans l'écurie, tu le sais, ou en tout cas toi, les sensations que tu as eues, c'est quoi? Non, bah Christopher est toujours comme ça, toujours euphorique. Hein. Je crois que si un cheval travaille bien, il sera en l'air aussi. Hein. La chose positive, c'est qu'elle m'a confirmé que c'était une voiture de course. C'est un vrai kart. On peut mettre des coups de volant, faire des dérapages, passer en dents d'un piquet. Voilà. Et ça, ça me plaît. On va la voir débuter quand celle-là? Sincèrement, je sais pas. Pour l'instant, elle va faire partie des Français qui ont le droit de partir en vacances. Donc comme on est au mois d'août, elle s'en va au bord de la mer. You train him before. Why you send him to Sudvola Stable? Because Suras is one of the world's best trainers for trotters. Just a personal question. Why you don't drive your horse today? Because you're a famous driver. But I've been driving him down here, but last time I didn't hit the start very well. And when they talk in the speakers, I don't understand one word French. So I'm sorry about that, but I don't understand what they say, and you know it's a little difficult to. It's better, much better to get one of those nice drivers. You have some of the best drivers in the world down here, so we have to let them drive. Est-ce que tu penses que tu es battu par meilleur aujourd'hui? Bah disons non, peut-être pas par meilleur, mais certainement un cheval qui est plus en condition. Voilà, je pense que mon jument est meilleur. On va revoir dans 15 jours. On peut revoir dans 15 jours, je vais te demander. Un petit peu de retard. Hop. Here we have an angry horse. Ask for you. Yeah, but the top horse. Not the top horse. She don't want to come and say hello. And here we have... he want to speak, but his name is Plutonio. He's good. He has win around 200,000. He's Etalon. Now we're waiting for the driver. Where is he? I worked for a very big trainer. His name was Howard Beisinger. He had horses like Speedy Crown, Speedy Somoli, and many, many good horses. Et là, c'est pas le même cheval. À mon avis, vous allez voir un autre cheval. Attention, ma braise, vous êtes en train de prendre.
Non, parce qu'Athos, de toute façon, il est meilleur que tout le monde. Je pense qu'on peut pas, on peut le battre à part s'il est malade, mais on peut être deuxième, quoi. Aujourd'hui, j'aurais dû être deuxième. Tu disais tout à l'heure en off que c'était le vrai cheval de Vincennes. Ah ouais, c'est vraiment le cheval de Vincennes. Pour finir, on voyait que lui dans la ligne droite. Ouais, il s'est mis à plat ventre. Hein. C'est un crack, quoi. Mais c'est des bonnes courses. Alors j'en déduis que tu as perdu un combat, mais tu n'as pas perdu la guerre. Exactement. C'est quoi cette histoire de perdre sa cravache dans le dernier tournoi? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Bah voilà, un peintre. Merci. Un peintre. Ça te laisse un petit peu de marge. Ça me laisse de la marge. Ou alors c'est pour faire galoper les autres ou leur faire voir que je peux gagner sans cravache. Loïc, tu devais pas la courir cette course-là? Bah, sur le papier, c'est vrai que c'était pas des conditions favorables. Là, il était bon. Déjà, le dernier coup, c'était bien. Nico, Nico, Vals, elle a été très bonne encore. Un peu trop près pour ma... Je tiens le micro, non, je tiens. Tu touches juste les mains dans les poches. Ouais, un petit peu. Oui. Par contre, c'était comment? On profite en même temps, on profite, elle est là, tous les voyages. Hein. Ah, bah oui, bien sûr. Ils ont pas là. Ils ont pas à courir à chaque fois si je venais vers qu'elle. T'as hésité? Sébastien, le rêve. Le... 3-4, on l'a refait. Sébastien, le 6 avec Rêve de Bélève, c'est un bon numéro.